Ah. Donc, de quoi s'agit-il que Arzette, the Jewel of Faramore? Jewel, le petit Jewel. Est-ce que vous connaissez, c'est marqué dans le titre du stream, les Zelda CDI, ces Zelda mythiques, classiques, qui sont restés un petit peu des sortes d'objets des mythes. C'est des mythes de l'internet du jeu vidéo, c'est-à-dire ces Zelda qui sont pas de Nintendo, qui sont considérés comme étant cassés, comme étant tout pourris, et qui sont, voilà, que Nintendo aimerait bien qu'on les oublie. Ces petits Zelda. Mais le monde n'a pas oublié. Internet n'a pas oublié. Il existe moult vidéos. On se souviendra, bien évidemment, de cette vidéo de Hooper à ce sujet sur Zelda Wand of Gamelon. Savoir qu'il y en a trois. Sorti en 93, il existe quand même trois Zelda CDI sur CDI de Philips. Et personnellement, j'y ai jamais joué. Mais c'est resté une sorte de. Je sais pas si une CDI, ça doit coûter très cher aujourd'hui. C'est resté vraiment des mythes. C'est ces jeux tout pétés, mais qui sont un peu fantasmagoriques. Moi, j'ai toujours eu envie de tester, alors que c'est bien de la merde. Mais ça, c'est parce que j'aime bien les jeux un peu tout cassés aussi. Et c'est un peu ça. Peut-être que c'est un peu ça, Ice, parce que ce Arzette, The Jewel of Faramore, c'est une sorte d'hommage. Une sorte de... Comment faire ces Zelda Wand of Gamelon? Comment refaire ce type de jeu aujourd'hui? Mais j'espère en étant un bon jeu. J'espère que c'est un bon jeu. Du coup, c'est un petit jeu indé fait par une petite équipe qui n'ont pas oublié l'existence de ces jeux. Et du coup, on va retrouver tout ce qui fait la caractéristique de ces Zelda, c'est-à-dire de la plateforme, j'imagine un peu claquée, et toutes ces séquences d'animation. Parce que ce qui a marqué les gens, et ces jeux sont devenus des mèmes aujourd'hui, c'est toutes les séquences d'animation toutes claquées, avec du doublage. Et vraiment, qui aujourd'hui, t'as envie de. C'est hallucinant, qu'est-ce qui se passe? C'est fou. Qu'est-ce que ça nous dit? Oh, ça m'a l'air fou. Et on a tellement envie de jouer à cette merveille, ça m'a l'air fou. La question qui va se poser, c'est est-ce que. Ils sont allés jusqu'au bout? Est-ce que c'est un jeu aussi pété que c'était les Zelda CDI de l'époque? Ou est-ce qu'ils ont fait en sorte que le gameplay, il se passe quelque chose? Est-ce que c'est un bon jeu? Je ne sais pas. Une nouvelle aventure interactive animée. Point d'exclamation. Dans ce jeu d'aventure, d'action-aventure, Arzette doit explorer le royaume de Faramore, tuer des ennemis redoutables, acquérir des objets puissants, mettre à jour des secrets, aider des personnages joués en couleur et vaincre le maléfique Daimyr. C'est parti. Moi, je suis chaud patate. Attention. Oh, ce petit logo. Tibidi Arzetto. The Jewel of Faramore. Alors ça sort en 2024, mais on a l'impression que c'est un jeu des années 90. Le royaume de Faramore connut la paix pour une époque. Une terre abondante. Pittoresque, gouverné par la famille royale. Rapklin, je sais pas. Il y avait le seigneur Daimur, démon maléfique. Oh, c'est Ganon. Comme deux gouttes d'eau. Alors tout va ressembler comme deux gouttes d'eau à peu près à Zelda, mais pas trop. C'est presque Zelda. Mais en fait, non. C'est une aventure. Long battles ensued, with hope fading from the hearts of the people. Mmh. In a desperate measure, the king Le roi et son conseiller royal, Vogram, menèrent un assaut. Oh, c'est quand même magnifique, il y a des petites des illustrations faites main. After clearing a path, the qui ont l'air directement scannées. Ah, oh, c'est de toute beauté, on comprend rien ce qui se passe, c'est de toute beauté. As Dale distracted Dimer, Arzette, well versed in both sword fighting and magic, imprisoned the demon king in the Book of Ocarin, a magical prison controlled by the Jewel of Faramore. Upon Dimer's capture, his dark army was vanquished, ensuring victory for the forces of good. Upon each use, the Jewel of Faramore shatters. Following Dimer's defeat, the king ordered each of the five jewel shards to be guarded at separate locations in perpetuity. Oh, c'est la Triforce.
This is the Triforce. The traitorous Duke Nodelki was sentenced to a lifetime of hard labor. Dale retired as a bard on the spoils of his adventure. Princess Arzette continued to train. Oh, c'est long. Ça papote pendant 4 heures. J'ai le temps de faire un petit goûter. Vous avez le temps, vous aussi, pour la petite collation. Le petit goûter. Petite barre chocolatée. Ah! Ah bah c'est au moment où j'ouvre mon truc que bah voilà, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit à mon petit goûter. Appuie sur n'importe quelle touche pour continuer. Oh. Bon ça c'est pour... On notera, j'ai lancé le jeu tout à l'heure juste sur cet écran titre de sélection. Pour ceux qui ont joué et qui ont un peu vu Zelda CDI, les musiques sont aussi... vraiment dans ce qui se faisait sur cette Zelda là. On a l'impression d'y être. C'est comme si on y était. Extraordinaire, magnifique. Il y a même un truc dans les paramètres. Tu peux remettre les contrôles qui étaient ceux des Zelda CDI qui, si je ne m'abuse, pour sauter, il faut aller vers haut. Ce qui est une idée horrible. Comment ça, t'as pas le droit de goûter? Alors moi, je suis un peu intolérant au lait. Genre, quand j'étais plus adolescent... Du coup, aujourd'hui, je bois que du lait facile à... Enfin, quand j'en bois, ce qui arrive jamais. Que du lait facile à digérer parce que vraiment ça me rend malade. Très vite ça me rend malade. Bref, est-ce qu'on en a quelque chose à carrer? Je suis pas sûr. Paf! Commençons le jeu sur ces propos. Très intéressant, toujours très intéressant. Il y a un mode normal. Pas de points de vie en récompense. Quoi? Pas de points de vie en récompense. Et ça, difficulté facile, point de vie en récompense présent. Les ennemis sont plus faibles. Oula, qu'est-ce qu'on en pense? Pas de points de vie en récompense, mais ça va être dur. J'ai l'impression que le mode normal, c'est le mode nique ta mère. Et le mode casual, c'est vas-y, on va s'amuser. Qu'est-ce qu'on en pense? Bon, je me mets en mode normal, mais je sens que c'est une très mauvaise idée. Ce qui est probable que le jeu soit cruel. Oh, ça y est. On a exactement les animations comme si on y était sur Zelda CDI. Moi, je bois jamais de lait. Nodelki, for freeing me, I offer you power. Power, la trifo. Yes, master. Thank you. Thank you. Oh, c'est magnifique. On dirait que c'est fait sur Paint, tellement c'est de toute beauté. Very good. Henceforth, you'll have the power to crush your foes. My name. Now, on to other matters. Master! My trusted servant. Toute beauté. J'ai rarement vu ça. C'est quand même fou à quel point aujourd'hui on a de la nostalgie pour les trucs éclatés. Vraiment, le nombre de jeux aujourd'hui avec cette esthétique PS1, vraiment cette esthétique un peu claquée, un peu mal finie. Vraiment, c'est gros. Ces gros polygones mal fagotés qui tremblotent. Moi-même, j'ai la nostalgie pour cette époque. Pour ces jeux N64 tout flou. Et là, on se retrouve avec des jeux qui ressemblent à des jeux qui étaient éclatés à l'époque. Mais on a une certaine fascination pour ces jeux. Il ressemble à Link. This is fait exprès. Le Link avec une moustache. It prevents our approach. Your eyes cannot see daylight out there. What about the sacred beacons? They weakened Dimer before. I'm afraid that due to complacency, they've been left unlit. Oh well, what can we do? Well, as you know, only a member of the royal family can rekindle the beacons. I'm ready. Oh. Well, I'm not. Another issue. My scouts report sightings of dark tapestries that impede critical paths. Oh, c'est long, c'est long de ouf. Not a problem. Mon goûter. My ancestors hid sacred candles throughout the kingdom that can burn these tapestries. That settles it then.
Ok, lui c'est clairement une parodie du Link de Zelda CDI. Avec ses animations caractéristiques. So long as the dark fog around them has been dispelled. I'll be leaving them. Good luck! Good luck! Get back before dinner! Be safe, my daughter. Push! Allô? C'est comme si le jour de la Saint-Valentin, le jour des amoureux, j'espère que le jeu va nous donner de l'amour. Bon, déjà, ça fonctionne. Ok. Je peux taper. Je peux sauter. Le jeu est magnifique. Te permet d'attaquer. Ton épée intelligente blesse les ennemis, mais interagit aussi avec d'autres éléments. It hurts only those that aren't friendly. Get some bombs by slashing that bag. Ok. J'ai des bombes. Comment on utilise les bombes? Oh! Non pas une, non pas deux, non pas trois bombes, mais 15 000. Ok. Combien j'ai de bombes? Comment ça fonctionne? Ok. Pourquoi j'ai plus de bombes? Ah ok, j'en ai qu'une... ok. Ah ok, une fois utilisé, je l'ai plus. Qu'est-ce que c'est à vous? Try bombing some columns. Ça permet d'utiliser des bombes. Oh, cette petite musique te permet d'ouvrir les portes et de monter les échelles. J'espère que le jeu est pas trop difficile. Parce que sinon, je vais vite rage quitter. Te permet d'accroupir et d'avancer dans des espaces restreints. Tu peux sélectionner tes objets ici. Ok. Bon, le jeu papote. Hein. Le jeu a décidé de papoter. À foison. Je peux rien casser, je peux rien casser. Some paths are closed to you until you have the right tools. Keep that in mind while you explore. Remember so beautiful. Je me rends compte que j'ai pas mis le titre du jeu. Into the stream. Voilà, streamer professionnel, nul à chier comme d'habitude. C'est quoi? C'est Arzette? Si je mets juste Arzette, est-ce qu'il va le comprendre? Ah, il l'a compris! Bon, ça c'est beautiful. Mais j'ai plus de bombes! Ah, il faut que j'aille rechercher une bombe, t'es sérieux? Ah, oh, c'est déjà. Oh, la musique est bien! Oh, la musique est déjà. Hein, musique de film de boule. C'est déjà pas mal! Parchemin de téléportation te permet de te déplacer rapidement sur la carte du monde. Oh, oh. Extraordinaire. Tenir enfoncé pour afficher la légende. C'est-à-dire, ok. Ouais. Donc ça c'est... Oh, oh là là, ça y est, j'ai des petits succès qui apparaissent à droite à gauche. Donc là c'est le niveau... Bim. Niveau 1. La forêt, la base, classico. Ça tue. Bon, pour l'instant, c'est pas dingue. Pour l'instant, le jeu n'est pas beaucoup mieux que le jeu CDI. Par contre, j'ai déjà perdu tout. Oh, je vais mourir si vite. On peut aller là. Il y a un secret là. Me dites pas que je l'ai vu. Hein. J'ai déjà perdu deux cœurs ou comment ça se passe? Je m'en rends pas bien compte. Quoi? J'aurais dû me mettre en facile. Je sais pas combien j'ai de vie. Où est-ce qu'on voit le nombre de vies? Je crois que j'ai des vies à l'infini en fait. Je sens qu'on va se faire chier. Je sens que ça va être une aventure. Pourquoi ils m'ont touché? Qui m'a touché? Je peux savoir qui... Ah c'est lui là! Ah mais c'est ce petit enculé! Qui m'a envoyé des merdouilles là? Ah oui, il y a 25 000 ennemis. Le jeu il a décidé d'être chiant, direct. Premier level. Le jeu a décidé d'être chiant.
pris dans la gueule. Oh là là. Et c'est à nouveau, dis donc. On s'amuse déjà beaucoup trop. Déjà beaucoup de fun. C'est quoi ces petites merdouilles? Oh, j'ai ramassé des merdouilles. Bon, j'ai décidé de passer par en haut, mais je sais pas si c'est la meilleure idée. Ah, mais les bombes sont efficaces aussi. Ah, voilà qui est pas con. Oh. Bon, par contre, j'en ai que 3. J'ai balancé toutes mes bombes. Je sais pas c'est quoi l'objectif, hein, si c'est d'aller de... au bout du niveau, ou si c'est de récupérer un truc dans le niveau, ou de tuer tous les ennemis, j'en ai aucune foutue idée. On va essayer de bien jouer. Attention, le speedrun. Non! Oh, le petit enfoiré de merde! Pourquoi je suis bloqué, là? Tout va bien se passer. Tout va très bien se passer. J'ai plus de vie. Voilà. Zébi, comme dirait l'autre. Je sais pas sur quoi je peux monter. Sur quoi je ne peux pas monter. J'ai ramassé un truc. Apparemment, ça me semble être important. Tout ceci m'a l'air d'être important. J'ai plus de cœur. Donc si je peux me casser par là, c'est pas mal. Quoi? Comment ça ferme toutes les portes? C'est quoi ce délire? Ok, donc je fais ça. Je fais ça. Ah, mais il y a un timing! Il y a un timing! J'ai gagné là! Mais il y a un objet que j'ai laissé en bas! Ah, il fallait peut-être récupérer l'objet. Time's up. Mais il y avait une porte ouverte! Pourquoi il y avait une porte ouverte? J'ai pas vu. J'ai rien compris. Bon, j'ai rien compris. This is very complicated. Putain de merde! Il me remet où le jeu? Ok, c'est bon. Il y a des checkpoints. Il y a des checkpoints. Oh, le jeu te fait... Alors là, il y a une bougie. Je sais pas à quoi ça sert. Comment je descends, là? Ah, mais j'ai pas l'objet. C'est ça? Est-ce que je peux... Est-ce que je peux refaire le mini-jeu que vient de rater? Non, il a disparu. Malheureusement. Est-ce que ça sert à quelque chose de farmer les petits cristaux? Aucune idée. Bon, ça, on sait pas trop. Et si je fais ça? Ah, mais j'ai plus de bombes! Ah, je voulais utiliser des bombes! Je voulais balancer tout ce que j'avais! Je voulais balancer la purée! Ah, flûte! Ah! Oh great, they finally sent someone to kill me. Alright, make it snappy. I'm sure you got places to go, other people to kill. No! Who would do that? Kirako. Oh. My name is Cypress. I want to move into town, but the mayor thinks I'm a monster man. I don't think that. Really? You don't think I'm a disgusting rabid mutt? You think you could convince the mayor to let me move in then and stop thinking I'm the wolf among us? If you do, this old lantern is yours. Mmh. Oh, c'est cinématique. Aider Cypress. Parlez au maire pour l'aider et tu obtiendras la lanterne. Les quêtes importantes comme celle-ci sont notées dans tes quêtes. Putain, il y a des quêtes dans le jeu? Alors, vérifiez-le si vous vous perdez. Appuyez sur n'importe quelle touche. Elles sont où les Kate? Oh, ah, mais il y a vraiment un truc comme ça. Cypress t'a promis une lanterne si tu parles au maire de la ville. Mais comment je vais... Oh là là, ça m'a l'air complexe. Non, mais c'est bon. Ok, c'est bon. Ok. Ah oui, donc en fait, il faut que j'essaye d'aller au lieu... Non ! Au lieu dit, mais sans canner. Parce que tous les ennemis veulent ma peau. Pour une raison que j'ignore en plus. Complexe. C'est une histoire complexe. Alors j'espère que le jeu est truffé de checkpoints. Parce que sinon, on va se faire chier.
En fait, il y a un truc qui me gêne, c'est qu'on peut pas taper en haut et en bas. C'est-à-dire vers le haut et vers le bas, et du coup, tu peux pas sauter. Du coup, c'est quand même très limité. En termes de... Oh. D'accord. En termes d'action plateforme, c'est quand même hyper limité. Non. Foutez-moi la paix. Monsieur, foutez-moi la paix. Est-ce que ça m'a sauvegardé la quête? Oui, c'est bon. Ça va être complexe. Hein. Ça va être laborieux. Et lui, il m'a baisé. Beautiful, beautiful. Allez-y. En fait, la hitbox est complexe à appréhender. J'ai l'impression que tout me touche. Pourquoi il y a des rouges et il y a des vertes? Des vertes et des pas mûres. Ah, c'est peut-être en fonction de la magie. Que j'ai pas encore. Donc ça, pour... Oula. Et bah voilà, elle m'a touché, je sais pas pourquoi. Je sais pas comment. C'est un checkpoint, ça? Ah, on va considérer que c'est un checkpoint. Mais j'ai aucune certitude. Oh là 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 là. Ah, oh, ça explose ça là. Mais j'ai pas de bombe, ah, j'ai pas de bombe, mais je suis sûr que ça explose. Ah non 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 non. Ah, je vais crever. Pourquoi j'ai voulu aller là? Je sais même pas ce qu'il y a. Alors qu'à droite il y avait un truc. Allons déjà là. C'est quoi ça? Ah, je sais pas à quoi servent les petits rubis là. Les petits trucs. Ah, je sais pas qu'est-ce que c'est. Je suis un débile. Je me suis baissé parce que j'ai cru que ça allait partir à l'horizontale. Alors que c'était tout à fait vers ma gueule. Ma petite gueule. Par contre, les bombes reviennent pas. Donc ça... J'ai aucune idée de comment on récupère des bombes dans le jeu. Oh, j'ai farmé des trucs. J'ai farmé des trucs rouges. En fait, il faut vraiment que je spam. Hein. Il faut que je spam ma touche comme un bonnet. Ouais, en fait, il faut pas que je... C'est quoi ça? Il y a un bidule là. Je spam la touche comme un débile. Les petits scarabées là. C'est quoi cette merde? Oh, j'aime beaucoup ces petites animations. La façon dont elles sont intégrées. Ah, c'était la téléportation. Golly, it's RZ. Oh oh, you've already lit a beacon. Alors en vrai, c'est cinématique animé et tout, on a dû demander un certain travail. Un certain temps. Je pense que c'est ce qui a demandé plus de temps à l'équipe parce que c'est pas si évident à faire. How am I supposed to get through them? You'll need a tool that can fire magic of the same color. The same color. I have to find. Careful, Arzy. Don't get red in the face. Tell me there's only one color to deal with. C'est tellement parfait. To my knowledge, there are three types of color magic. Don't look so blue, princess. Ce qui est assez fantastique, c'est que le jeu n'est pas beaucoup mieux que les jeux CDI. Par contre, j'ai pas trop écouté ce qu'ils ont raconté. J'ai fait le fou. Forêt d'Uridine. Cave. Coguin. Désert Anjou. Attendez. Toutes les bougies sont trouvées. Il faut trouver des bougies. Balise allumée. Bonus. Mais le jeu est long en fait. Si c'est un vrai RPG, c'est une dinguerie. Comment je sais ce que je dois faire? Et là, pourquoi est-ce que là ça me met un point d'exclamation? Ah, parce que là je peux parler au maire, c'est ça? Mayor, please grant Cypress Town citizenship. That beastly brute. That snivelly hound here in my Pulchra Demon? Never. You know, my smart sword doesn't hurt friendly folks. You're not being very friendly. Citizenship to Mr. Cypress granted. Ahoy, ahoy. Oh, papier de citoyenneté. Papier qui accorde la citoyenneté signé par le maire.
Il faut que je retraverse le niveau pour repartir discuter avec cette personne. On va se faire chier. I declare this the safest place in the land. Rabble rousers and mischief makers have no quarter with me. The crown is ever grateful for your service. Anything to report? Rumors speak of strange scrolls that allow you to teleport to special areas. Special areas? Places that test your mettle and reward you with riches. Oh, if I could teleport, I'd find these scrolls and... Halt, ne'er-do-weller! Ok, donc c'est juste pour m'expliquer 2-3 trucs. Ça, c'est verrouillé. Bonjour, monsieur. At ease, Univore. Did I surprise you? The good kind of surprise. Not like running out of supplies. You don't want to be caught without a bomb in a hard place. I'll remember that. Keep up the good work. Yes, princess. I surely... Wow. Attendez, c'est immense. Oh, et j'ai pas de bombe. J'ai balancé mes seules bombes. Ah, mais je peux aller là? Il y a des trucs cachés, attends. Oh! J'ai récupéré une clé que je sais pas à quoi ça sert. Je ne sais pas à quoi servent ces clés. Je n'ai aucune putain d'idée. C'est quand même pas très joli. C'est quand même complexe. Ah non, ça c'est juste le déco. Want one on the house, princess? No, thank you. Say, that's a smith's anvil behind you, isn't it? Ah, yes. I was a great blacksmith in a past life. I dreamed of forging the ultimate weapon. But alas, those days are gone. Please, go on. Well, this dream weapon needs refined chains and sacred oil. Problem is, they're impossible to get. The oil's kept by some unbeatable wizard in a dungeon, and I have no idea about the chains. I'd go investigate it myself. You know, I am but a mere small, timid man. A great, big, muscular warrior is what we need. Hmm. Well, I'll get the oil. Ah oui, en fait, les persos qui donnent des quêtes. You know, I couldn't ask. Yes, but you're not asking. I will do this. Anything else? Oh, here's the key to the dungeon with the oil. Good luck with that. My only tip is to help folks in need. That'll probably steer you on the right path. Ok. Donc lui m'a filé un objet. Où est-ce que ça apparaît? Est-ce qu'il m'a filé une quête en même temps? Ah oui, d'accord. Donne-les à Cypress. Donc ça, je lui donne. Et ça, c'est quoi? Devrait pouvoir ouvrir un donjon verrouillé quelque part. Ah, ça me dit pas où. Ok. Comment je récupère des bombes? J'en ai aucune idée. You got an eye for beauty, don't you? I suppose. I lost my husband in the war. He was turned into a creature, got bombed. Boom! Shook the whole room, I tell you. He never gave me the jewelry I wanted. Bring me some. Ah, ils vont tous me filer une Kate. Story, will you? On va se retrouver avec 1 milliard de Kate. I have something to quench your thirst. Attends, ça m'a fait une quête là? Ah non. Oh, il faut juste que je le retrouve. Hey, look everyone, it's the princess. It's the princess. I'm pretty sure they can see me. Yeah, but you always gotta be mindful of what's around you. If you see anything nasty coming your way, you gotta knock it away with your weapon. D'accord. Ok, d'accord. Tout va bien se passer. Attends, j'ai déjà parlé avec cette personne. J'ai déjà parlé avec cette personne. Là, c'est verrouillé. Ah non. Ah, mais c'était la clé pour aller là. Ah. Et comment j'ouvre ces trucs, là? Ah, mais attendu, c'est un vrai labyrinthe. Fallait prévenir peut-être. Et là c'est verrouillé. Et ça je peux pas ouvrir. Très bien. Donc là je suis pas beaucoup aidé.
complexe le jeu. J'imagine que j'ai besoin de magie. Donc lui, je lui ai parlé. Ça c'est pour partir, donc ça c'est verrouillé. Ah, un marchand. Ah, c'est donc à ça que ça sert. Je peux acheter des bombes. Ok, donc ça m'en fait. Ça c'est quoi ça? Parchemin. Whoa, this isn't a charity, friend. Pay with something, will ya? You'll pay one way or the other. Ok, j'ai passé, c'est ça? Ah oui, c'est 250, ok. Merde, et du coup c'est 250 trucs rouges? Il faut vraiment farmer les trucs en fait. Ah ouais, mais putain. Ah ouais, il faut farmer pendant 4 heures. Et ça, c'est aussi des trucs rouges qu'on va me demander. If you ever need something special done with that little sword of yours, just drop by and I'll give it a shellacking. Oui, très bien. Et vous? Isn't the world just so bleak? I wouldn't say that. It is. Oh, I resolved to see all colors. Wow. Not just what these puny eyes can show me. I will alchemize these shrimp goggles. You'll see. Or rather, I'll see. Isn't the world... If you ever need something special done with that little sword of yours, just drop by. Bah oui, mais du coup, il me donne rien pour mon épée. Il m'a dit, viens me voir. Mais il me répète tout le temps la même merde. If you ever need something special done with that little sword of yours, just... Ok. Et du coup, ils font rien pour mon épée, en fait, pour l'instant. C'est pas clair. Ok. Donc, pour l'instant, j'imagine qu'on ne peut rien faire. Et peut-être qu'à un moment donné, il va pouvoir upgrade mon épée, peut-être, un jour. Alors, attendez, c'est combien? 250? Et c'est quoi l'objet? C'est parchemin de Mortar. Parchemin de Mortar, me dis-tu? C'est pas clair. Hein. Donc là, j'y retourne pour parler. Est-ce qu'il y a écrit Mortar quelque part hein? Non. Donc j'ai le choix quand même d'aller dans des endroits... de joyaux. Pour l'instant, j'ai rien. Tous les objets collectés, pièces de monnaie trouvées, bonus complété. Ok. Donc là, je vais retourner là. Il faut que je retraverse tout le niveau, c'est ça le projet? Oh là là! Ça, par contre, on se fait chier. Ah ouais, le jeu est abusé, là. Ah ouais, donc c'est une question de speedrun, de maîtriser et de speedrun, et de spammer la touche comme un saligo, comme un cochon. Et, non, j'ai besoin de ces merdes pour acheter des trucs que je sais pas à quoi ça sert en plus. Ok, est-ce qu'il va me refaire faire le mini-jeu que j'ai fait tout à l'heure? Non, l'échelle m'a baisé. Oh, le sale jeu. Ah mais j'ai des bombes, c'est vrai. Ah oui, attendez, j'ai des bombes. Attendez, je pouvais utiliser des bombes à certains endroits, je sais plus c'était quoi. C'était où? Non! Ah oui, c'est revenu. Le machin est revenu. Ok. Donc j'essaye de le refaire mieux. Tac. Je suis où? Quoi? Évidemment, j'étais juste sur l'ennemi. Juste pour me faire baiser. Ah, putain. Ah, c'est lui. I'm looking at the newest citizen of Faramore Town. Really? I can't believe it. Thanks. All right. Have a lantern. See you around, kiddo. Ok, c'est vraiment un délire le machin. Lanterne, éclaire les endroits sombres. Je pense que si t'as joué
justement à Wand of Camelon ou à ces jeux de merde, franchement c'est d'autant plus atypique. D'autant plus merveilleux. Éclaire des endroits sombres, ok. Attends, tu as de l'huile à l'ombre. Très bien, donc là je peux aller dans la grotte, c'est ça? J'imagine que maintenant... Je peux aller... Ah, il faut sélectionner les objets! Oh, ça semble complexe. Ça semble complexe! Oh, je me fais éclater si vite dans le jeu. C'est abusé, j'aurais dû mettre en facile. Est-ce qu'on peut le changer dans les options? Ah oui, ah, ça m'a validé la quête là. Donc cette quête est validée. Ok. Très bien. Ah oui, attendez. Oh merde! Ce titre activé. Ah, je peux sauvegarder. Ah, je peux pas changer le niveau de difficulté. Hein. Je suis bien baisé. Je pense que je me suis bien fait baiser. Oh les petits saligots. Les petits coquins. Pachibouzouk. Ok, c'est bon. Ah non! Évidemment, je me fais baiser. Alors, il y avait un endroit là où j'ai cru comprendre qu'on pouvait lancer des bombes. Mais il faut que je retrouve la zone. La zone d'intérêt. C'est ça là. Oh! Very good! Ah putain, mais il y a tout qui me bloque, mais c'est un Metroidvania le machin! Ok. Donc en fait, c'est Metroid. Et ça, ça me donne quoi? Oh, ça me pile. Ah, bah, je peux spammer. En fait, je peux farmer des trucs ici. Si je refais ça en boucle, je vais farmer. Alors j'espère qu'on te file des cœurs, parce que 3 cœurs c'est quand même pas beaucoup. C'est quand même très très svelte, j'ai envie de dire. Dibidim. Ah, est-ce que je peux passer juste là? Ah mais attendez, on pouvait faire ça. Ah, c'était pas la fin du niveau. Mais ce jeu est plein de surprises. Qu'est-ce que c'est ça? Tu n'as pas assez de bougies sacrées pour dissiper cette barrière. C'est quoi les bougies sacrées? What? Ah mais j'ai zéro bougie! Trouve et utilise-les pour brûler les barrières bloquant les chemins importants. Oh, tu m'en diras tant, tiens. Ah ouais, ok. Là, il y a une clé. Comment est-ce que je récupère cette clé? Il n'y avait pas un truc qui avait besoin d'une bombe par ici? Où je m'étais dit, ah là! Oh le génie! Out of there, stranger! I take it you're on a quest. Il a enregistré dans sa cave pour qu'il y ait un petit effet là. Oh, no worries about that. I could use a little sunshine in here anyway. If you dig further down. Maybe I can finally get some plumbing in here too. You know, an adventurer has got to explore all curiosities. Curiosities? Yeah. Cracked walls, strange spaces. Investigate them. Of course, you don't seem to be afraid of throwing those bombs. I once even heard of a hero finding a cook. C'est rigolo, il y a des petites références, il y a des petits clins d'œil. C'est amusant, dis donc. Yeah, he might even find a few coins. Donnez-moi manger. Donnez-moi des trucs à griller. Thanks. I'll do my best. That's the spirit. Ah, putain, je n'ai jamais le temps, là. J'ai pas écouté ce qu'elle a dit, mais ça m'avait l'air très peu important. Tout ça pour ça, quoi. Allô. Ouais. Je pense qu'on va pouvoir aller dans le niveau. Et le niveau suivant. Ah oui, là je peux rien faire. Ça m'énerve ces trucs qui te bloquent là. Je sais pas pourquoi en plus. I say, what a lovely day in the kingdom. Yeah, fighting Dimer is great. Haven't you noticed his return? No, that dreadful villain. Heavens to Betsy, I just want to get back to the ballroom.
Ah, c'est tout? Ouais, d'accord. Ah bah là quoi. Ah non. Ah, il m'a rajouté un truc, c'est quoi? Oh, je vais avoir besoin d'acheter de l'huile. Je suis bien baisé, tiens. Et vous, alors? Mais tu m'as déjà raconté ça? J'ai besoin, justement. Ok. Ça m'avance pas beaucoup. Donc, je peux aller dans la grotte. Bonjour. Lance-y une bombe et tu verras des... de la spéléologie. I'll take a look. Not so fast. If you run out of light, you might not make it back. Take this. If you use rope in dark places, you'll escape back to safety. I appreciate it. Ok. Si tu utilises cette corde, tu pourras échapper le danger. Non, c'est pas ça. Non, non. Ok, donc il faut que je fasse flac. Attends. Isa. Ah non, il me faut la bombe déjà. Oh là là. Le jeu m'a baisé. Heureusement, j'en ai une. Donc là, je sélectionne lanterne. Et normalement, on est pas mal. Ah non, mais il y a tout qui me baise. Attends, si j'enlève le truc, il se passe quoi? Ah, j'y vois quand même. Bon, je sais pas si c'est utile. I don't know. Il y a des poulets géants. Il y a des merdouilles. Des scarabées. Des ratanas. Ça, je peux pas passer. Je sais pas ce qu'on est venu foutre ici. Ah oui, ok, c'est là. Ah, c'est là que j'en avais besoin. Oh là là, mais ça m'aide pas du tout, en fait. Je vois rien du tout. Oh là là, oh, ça va être complexe. Oh là là, on va s'emmerder. Oh. My god. Oh là 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 là. Ça va être une galère. Heureusement, il y a des checkpoints. Le jeu, il avait dit, mets le mode facile pour qu'on te file de la vie. J'ai compris. I know. Quoi? Oh, il y avait un trou. Oh non, c'est fourbe. Oh, le sale jeu. Sale jeu de merde, tiens. Ok, là, il y a un trou. Ah ouais, c'est abusé. Tu vois rien du tout. Hein. J'ai beau avoir le machin. Je vois rien du tout. Non, mais c'est abusé, les mecs. C'est bien de faire un hommage, mais si c'est pour faire un truc aussi pourri que l'original, je vois pas trop l'intérêt. Comment t'es censé te débrouiller, là? Oh, c'est une petite musique qui touille. Est-ce que je peux monter sur ces plateformes, là? Ah oui, là. Ok, j'ai vu. Oh, le vieux niveau, là. Niveau bien pourri. My god, je sais pas où je vais. Ah, je peux canner à tout instant. Oh, yo, 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 où est mon checkpoint? Oh, le checkpoint est grave loin. Oh, ça va être une aventure. J'aurais tellement dû me mettre en facile. Erreur de... Oh, cette musique. Ok, pourquoi je suis mort tout à l'heure? Putain! Il m'envoie 15 000 trucs en même temps! Putain.
Oh, les petits salauds. Les bandes de trublions. Hop là, hop là. Oh, je me fais baiser à tous les coups. Il va me lancer sa merde là! En plus, je l'ai touché, ça m'a touché. Au moins, je farme des trucs. Putain, tout me touche, tout me fait des dégâts. Si j'avais un bouclier, y'a pas un bouclier dans le jeu? C'est vraiment la base, hein, le basique. Si je saute là, y'a quoi? On te file une lanterne, mais voilà! Je vais canner. Ce que je vous dis. Mais putain, je sais pas c'est quoi le vide, c'est quoi le pas vide. Donc à un moment donné. Please. Please understand. Ah putain. Et c'est à nouveau. Ça y est, la petite flûte de pan là. Elle est en train de me rendre fou. Petite flutine là, on sait s'amuser. Concentration maximum. Et voilà, je tombe sur eux plutôt que de faire les choses bien. Attends, c'est où que je meurs d'habitude? Non! On a moyen de sortir des niveaux. Ah oui, il m'avait dit de faire ça, c'est vrai. Putain. Heureusement qu'il n'y a pas de vie dans le jeu. Le tryhard. Je sais pas pourquoi il y en a des vertes. Des rubis là. Pourquoi est-ce qu'il m'enfile des verts? À quoi ça sert? Non! Non! Il y a un truc. Non, 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 non! Ah non, je suis tombé! Il y avait un truc, ça met! Il y avait un truc! La hitbox, c'est un enfer. Mais je tombe tout le temps là comme un début. Ok. Non, 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 non. On va quitter. Vu que j'ai un peu de thunes, on va l'utiliser. Vu que ça m'a permis de farmer. Et on va acheter ça. Attendez, ah oui, il me vend des... Mais attendez, j'ai besoin de racheter une corde pour en avoir une, c'est ça? C'est pas clair. J'ai plus de corde, là. Ah si, j'en ai. Ah, j'ai eu peur. Je le veux, ça. Parchemin de toupe, là. Struck luck, my friend. These wares aren't elsewhere. My goods will improve your fortunes, so long as you improve mine. Ah, tu as acheté un de mes parchemins de partition. Un spectacle live? What? Ça sert à quoi? Non, mais quoi? C'est une blague, c'est de la merde en fait. Ça sert à quoi? You struck luck, my friend. These... Des trucs de partition de merde là.
Oh, le sale jeu. Oh, bah, j'en ai qu'une idée. Je pense qu'on le saura pas de si tôt. Bon, lui, il va pas m'aider de si tôt. Ah, putain. Une bien belle aventure. Est-ce que je suis obligé d'aller là ou est-ce que je peux aller me balader dans des endroits un peu escarpés? Je sais pas trop si c'est une bonne idée. Oh, j'ai gagné quoi là? J'ai pas trop fait gaffe. Il m'a filé quoi le jeu? Comment je remonte? Ah non! Ah putain, il y a des lézards, il y a des serpents, il y a des trucs. Oh là, je suis dans un niveau. Je sens que je suis dans un level. Un petit peu haut level. Ah, y'a rien. Très bien. Je peux pas aller là. Ah, ça me saoule. Et là, j'ai besoin d'une lanterne, c'est ça? Oh, le level design. Oh putain. Jamais j'esquive ces merdes là. Oh, y'a un truc là. Alors, ça, c'est les mini-jeux, c'est ça? Trouve la sortie. Ah, c'est là. Pas du tout. Ah. Bon, ça, j'ai aussi des hobbies. J'ai réussi ou j'ai pas réussi? Ah oui, j'ai réussi, mais ça m'a filé des trucs. Des rubis. Ok, je viens d'où? Je sais plus. Ah, je peux pas monter là. Ah si. Oh, c'est pas clair les trucs avec quoi tu peux interagir. Oh, c'est tellement pas clair le jeu. Est-ce que j'ai besoin d'activer ça là? En fait, j'ai l'impression que j'ai pas besoin en fait, elle s'active toute seule. Je sais pas trop. Ah mais attends, je viens de comprendre un truc. Attends, en fait, il faut que je fasse ça. Ah, il fallait l'activer en fait. Ah, d'accord, c'est pour ça que je galère dans la grotte, il faut l'activer. Ah mais putain, le jeu, il explique rien. Nick aussi. Ah là, il y avait une bombe à mettre là. Ok, j'ai compris le machin, j'ai compris le truc. Ah ouais, en fait, je galère pour une raison simple, c'est que j'ai pas compris. Ah, c'est pour ça qu'il il faut en racheter, machin. Ok. Ah, j'ai pas de clé. Putain! Il me fallait une clé. Ouais, donc là, je suis bloqué, en fait, dans ce niveau. Ah, mais lui, ça joue. Ok, dark. Ah ouais, c'est des embrouilles en fait le jeu. Là, il me faudrait des bombes. Je peux monter là, non. Ah ouais, est-ce que j'ai moyen de ressortir de ce monde alambiqué là? Comment on ressort d'un niveau facilement? Ah ok, ah, ok, la corde elle marche dans tous les niveaux. Très bien. C'est une bonne chose à savoir. Ouais, en fait, il me faut des cordes. Et il me faut des putains de lampes. De l'huile. Ah, je peux pas remonter. Ah, je suis bien baisé, dis donc. Ok. Bon, il faut que j'achète des cordes. Et que j'achète des putains de l'huile. Okay, je vais farmer 2-3 trucs, hein, on sait jamais. Je vais farmer des petits rubis, on sait jamais.
Donc je retombe pas là-dedans. Est-ce que si je sors et que je re-rentre dans un niveau, j'ai pas de cœur là? Je me retrouve avec mon cœur unique. Only one. Ah non, c'est bon. Ah, j'avais dit qu'il fallait que j'achète des trucs. Je retourne au château. J'achète des bombes. Ah mais les bombes c'est cher. J'achète des merdouilles. Et j'achète des cordes. J'en ai combien? J'ai 6 cordes, 7 lampes et j'ai des bombes. Est-ce que ça vaut la peine? Non, j'irai une autre fois. On va retourner là. Maintenant que j'ai compris le fonctionnement de la chose. Mais non, c'est pas le bon niveau, je suis bait. C'est pas le bon niveau. C'est ça. Donc là, putain. Donc là, ça a peut-être changé la donne. Mais putain, oulala, ça me vénère. Tout me touche, tout me baise. Bien joué. Bien joué, l'andouille. Oh. Et tout, tout. J'ai l'impression de jouer à un vieux jeu Tintin. Ou tout... ou un jeu... Les Schtroumpfs, là, d'infogramme, ou tout obéise dans le jeu. Tout veut ta mort. Oh, vous m'avez saoulé. Ah, ok. Le petit piège. Saugrenu, ça. Ça, c'était saugrenu. Ah, le jeu est complexe. Et ça, là, est-ce que je vais savoir un jour? Comment j'ai fait tout à l'heure? J'y voyais rien et j'ai réussi à avancer. Ah, c'est là qu'il faut aller? Ah, bon. Ah oui, c'est qu'il faut pas hésiter à se jeter dans le vide, en fait. Et là, j'ai plus de... Putain, j'en ai tellement pas beaucoup, en fait. J'aurais dû en acheter beaucoup plus. Ah ouais, le jeu, il abuse. Hein. Ah, mais c'est plus simple quand on y voit quelque chose. Ah, j'aurais pu monter. Oula, 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 oula. Le mini-jeu. Brise les cibles, c'est-à-dire. Where is the cible? Et c'est hyper dur. Oh là là, c'est hyper dur. Allez, allez. Je joue ma vie, ça y est. Je joue ma vie dans ce jeu de merde. Ah, faut que j'aille là. Oh, j'ai tellement pas assez de lampes à huile là. C'est quoi ça? Anneau bouclier. Cet anneau magique protège contre les projectiles. Pour utiliser, tenir enfoncé. Oh! Ouais, mais c'est complètement un Castlevania Metroid. Ok, mais je suis venu là comment ça? Oups. Ah, j'ai un des quatre objets, non, c'est ça? Ah non, ok. Ah non, 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 c'est qu'en fait, ça, c'est les niveaux où j'ai réussi le mini-jeu. D'accord. Ah oui, oui, ok, je viens de comprendre. D'accord, donc il faut à chaque fois trouver la lampe, là. Les bougies. Il faut trouver pièces de monnaie. Et tous les objets collectés. Ah, le jeu, il est fifou. Le jeu, il est fifou. Ok, donc je veux des loupiottes, là. Ah, en fait, il faut taper dans le... D'ailleurs. Dans le carton, là.
dans la box. In the box. Donc, je peux faire ça. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Ça, je peux pas l'ouvrir. Il doit y avoir un truc de double saut. Il m'a saoulé. Monsieur, vous m'avez saoulé. Est-ce que ça vaut la peine que je retourne dans la cave là? Dans la cave, j'en ai aucune idée. Je sais pas trop en fait. C'est pas clair. Le jeu est pas clair. Ah poutou! Attends, il fallait descendre, je sais plus. Ah, il fallait descendre. Nye. Lightbox de merde. Ah là! Ok, ça c'est important. À quoi ça sert? La question étant, à quoi elles servent ces lanternes? Je comprends rien au jeu. Je vais te déglinguer en plus. Non, 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 non! Est-ce que j'ai toujours ma lanterne? Ah oui, une. Trouve et utilise-les. Pour brûler les barrières. Ah oui, c'est vrai, ça servait à ça. Bloquant des chemins importants. C'est où que j'ai trouvé une barrière? Ok. C'était donc ça. Là je l'ai, ok, là je l'ai. Very good. Ça je l'ai fait, very good. Attendez, je peux le refaire? C'est pas grave. Je pouvais peut-être le refaire. Tout à l'heure je suis allé à gauche, non? Ah ouais, mais il y a tout qui me mèse. Oh, il y a un petit escargot. Ils veulent tous me faire l'amour. Putain, si seulement vous pouvez détruire ces merdouilles. Oh là là, oh là là. Oh putain. Le jeu il rend fou. Ok, donc je peux plus rien faire en fait dans ce niveau. Faut juste que je m'en aille. Ah! Pourquoi est-ce qu'il me met un point d'exclamation là? Parce que je peux aller brûler la barrière, c'est ça? C'est pas clair. J'imagine que c'est ça. Ah putain. Le petit saligo. Non. Estoy el speedrun. Pas s'énerver. On va pas s'énerver, mais je suis quand même pas loin. Oh les saloperies. Le jeu il te réserve des saloperies.
oui, du coup, ça, je l'ai pas fait. Parce que j'ai pas réussi. Il est hyper chiant, ce mini-jeu-là. Donc, je ferme. Je monte. Je ferme. Attends, il ouvre les portes, il les laisse ouvertes derrière lui, c'est ça? J'ai pas bien saisi le projet. Là, je ferme. Là, je monte. En fait, c'est nul. C'est hyper nul, en fait. Ah oui, là, j'ai besoin de ça. Ça, c'est vraiment le Metroidvania. Enfin, Metroid plus qu'autre chose. Parce que l'aspect Castlevania, il est pas trop. Ah, mais il est parti, Bibiou. Par contre, retraverser les mêmes niveaux, putain. À l'infini, le fun, il est quand même mitigé. Ah non, la saloperie de merde! Qui peuvent m'être utiles. Oui, là ça sert à rien. Ah, mais là j'ai gagné des trucs. Putain, c'est pas ça. Nom d'une pompe. Zut! Qu'il allait partir du scrolling et qu'en fait il allait jamais revenir. Ça aurait été, ça m'aurait aidé. Donc ça, j'active pas. Juste, je vais là en essayant de pas décéder de ma belle mort. Et ça, je peux l'activer, c'est ça? Oh! C'est un boss! Ah, y a un boss dans chaque niveau! Cease this laughter. You will suffer. Oh, ce petit style. You... Enough. Rein it in. Oh, c'était un vrai perso. Hop. Ok. C'était un vrai boss. Quoi? Oh, c'est injouable, machin. Je comprends rien. Mais quoi? Oh. Ah ouais, le niveau gameplay boss, machin. Ah mais attends, mais je suis bloqué sur les bords là. Ah, je suis bloqué sur les bords. Ah, le sale jeu. Ah, c'est pour ça qu'il y a des trucs pour s'accrocher. Ah d'accord. Ah. Ok, j'ai compris. Ah, c'est hyper dur. Ah, tu peux faire tomber ces merdouilles. Ok, ah c'était ça en fait l'objectif. Faire tomber les merdouilles. Super compliqué. Le gameplay est tout pété. Ah non, en fait, c'est nul à chier. Oh, le vieux boss. Ah ouais, d'accord. Ah oui, il faut trouver la faille. Come here. Stop horsing around. Oh, ce petit bruit. Oh, j'ai trouvé un bout de Trifox. Vas-y, vas-y. Quoi? Et donc? Éclat du joyau. Ah, il y en a que... Ah, peut-être un peu plus.
Tu dois vaincre les boss pour les récupérer. Ah mais c'est vrai que j'ai mon pouvoir aussi. Ça là. Et ça m'a servi à quoi? Puis-je savoir le jeu? Quelle a été l'utilité? Parce que là maintenant je fais quoi? Ah non! Ah là j'ai le petit cristal. Ah c'est le seul niveau dans lequel j'ai le petit cristal. Mais est-ce que ça veut dire... attendez non. Qu'il y a des barrières que je peux casser maintenant. C'est pas clair. Ah je peux monter là. Non. Toujours pas. Howdy there, stranger. I take it you're on a quest. Right. Apologies for the hole. Oh, no worries about that. I could use a little sunshine in here anyway. If you dig further down, maybe I can finally get some plumbing in here too. You know, an adventurer has got to explore all curiosities. Curiosities? Yeah. Crack walls. Ok, répète les mêmes choses. Jusqu'à ce que mort s'en suit. Il m'avait dit quoi, lui? Je sais plus. My only tip is to help folks in need. Ok, lui, il me dit d'aider les gens. Elle voulait retrouver son mari. Lui, il est mort. Hey, look, everyone! It's the princess! It's the princess. Very good, very good. J'allais voir si je peux acheter des merdouilles. Lui, il disait quoi? Non, mais lui, il me répète la même chose. Ok. Ça, c'est verrouillé. Je peux acheter des cordes, des machins, des trucs. Ça, je sais toujours pas qu'est-ce que c'est, mais... pour l'instant, c'est pas clair. Là, c'est important, mais ils veulent pas m'aider. Ok, qu'est-ce qu'on fait dans le jeu maintenant? Maintenant qu'on est bien perdu. Qu'est-ce qu'on fait? Donc là j'ai fait ça, j'ai pas la bougie. Et j'ai pas, il y a plein de trucs que j'ai pas non plus. Là j'y suis jamais allé. Et là je crois qu'il y a un truc que je peux ouvrir avec une bombe. Mais je sais plus où c'est. Ça ne coûte rien de réessayer. Attendez quoi là? La mémoire de poison rouge, j'ai déjà oublié. Meurs, flibustier, meurs. Ah ça je peux pas le casser, on est d'accord. Bon là je peux rien faire. J'ai complètement oublié que j'avais cette attaque là. Enfin cette attaque qui n'est pas une attaque. Oh non, il y avait un truc là. Je l'ai vu, mais je l'ai raté en même temps. Attendez, je vais crever exprès. Ah mais il me touche pas. Ah si, il me touche. Ah mais en fait, son sprite me touche pas, lui. Dis donc. Oh, ils sont 15 000, là. Ok, c'est bon. Il me ramène où, le jeu? Là, il y avait un truc. Oh, le génie. J'ai vu. Ah mais il s'est caché dans les niveaux. Putain, c'est caché. Ah ouais, mais le jeu est dur. Quand j'y vais. Ah, il y a un double saut dans le jeu, c'est sûr. Ah, doit y avoir un double saut. Bon, je pars là. Attends, comment on repart de là? Ah oui, il faut que je reparte là-bas, je suis bête. Ah, le jeu m'a niqué. Pas cool. Ah ouais, donc en fait, il y a des trucs, il y a des barrières que je ne peux pas passer, qu'il va falloir que je débloque.
Il y a un double saut très probablement. Ça je l'ai fait, ok. On a plateforme dans le jeu. C'est démoniaque. C'est le démon. Il faut que je me dise que j'ai une foutue attaque. Oh, que j'ai un foutu bouclier. J'ai un bouclier. Ne pas oublier que j'ai un bouclier. Je sais qu'il y avait un endroit où je m'étais dit... Putain, il faut que j'y revienne. Ah, c'est là. Oh, bonjour Yo-Yo! Comment tu vas, mon beau Yo-Yo? Ah, mais oui, mais vois-tu, c'est presque du vrai CDI. C'est le jeu qui essaye d'émuler ce qu'était Zelda au CDI de Semo. Ah putain, le sale jeu de merde! Comment vas-tu, mon bon Yo-Yo? Il y avait quoi déjà? On est venu faire quoi? Rien du tout. Ah bah oui, c'est l'idée. C'est l'idée, Yo-Yo. Par contre, le fait est que... C'est pas forcément beaucoup mieux que les jeux CDI, c'est ça qui est terrible. Ils auraient pu faire un effort, je pense. Mais on retrouve tous ces petits, toutes ces petites animations de Zelda CDI qui font plaisir. Toutes ces petites animations, hop, qui sortent de nulle part. Ah oui, là je peux pas y aller. Ah si, je peux. Ah mais j'ai trouvé la clé. Oh, mais j'avance dans le jeu. Yo-Yo, t'as vu? C'est quoi ça? What it is? C'est quand même fou, c'est quand même fou qu'il y ait des petits indés qui se soient dit « Attends, Zelda CDI, c'était quand même chef d'œuvre. Allons-y. » Est-ce que tu y as joué, Yo-Yo? Parce que moi, j'y ai jamais joué, hein, Zelda CDI. J'ai vu beaucoup de vidéos parce que ça tournait comme étant mystique. C'était les jeux mystiques, le mythe d'une génération. Ah, il faut allumer ça, c'est ça? Ah, il y a une petite fée. Regarde, les animations sont fantastiques. Right. As a reward, how about some fairy dust? No, thanks. I insist. C'est quand même merveilleux. C'est merveilleux. Poudre de fée, mis en bouteille, un composant polyvalent pour les inventeurs. Pour les ça veut rien dire. Les descriptions, elles veulent rien dire. Ah si, j'ai compris. Ok, je sais ce qu'il faut faire. C'est bon, j'ai compris. Oh, j'ai gravi à même la pyramide. Le flanc de la pyramide. En plus, bientôt on jouera à Tomb Raider, Yo-Yo. Le temps que je... Faudra que je check tout à l'heure. Le temps que je reçoive la clé pour activer le jeu. Un jour, on jouera un meilleur jeu. Ne ratez pas ça, hein. Des grands moments de stream que Tomb Raider. Ouais. Ah, c'est trop chiant, il y a tout qui me bloque partout de... la frustration du jeu. Ah, pourquoi il me dit d'aller là? Pas clair. Point d'intérêt. Ok, là j'y suis jamais allé. Cela dit, je vais retourner là parce que j'ai l'impression que la poudre... Ah non, poudre de fée. Mott au Canyon Cree. On pourrait faire... Ah ok, j'ai cru que c'était les mecs qui étaient là, mais en fait pas du tout. Ah, c'est pour ça que j'avais un point d'exclamation. En fait, eux, c'est des gros nuls. Putain, ils me foutent le seum, eux. Moi non plus, mais je fais partie bah, une époque... je me souviens à l'époque de Dailymotion. Il y a de cela 1000 ans. Bah, il y a des gens qui en avaient fait des vidéos. Hooper en a fait une vidéo, notamment. Vidéo culte. En fait, c'est des jeux qui ont une sorte de...
de culte. Parce que personne n'a de CDI, donc personne n'y a joué. Aujourd'hui, une CDI, j'imagine, ça coûte très cher. Donc, après, il faut y jouer en émulation. Ah, les animations, c'est quelque chose. Beautiful. Qu'est-ce que c'est, ça? Quoi? Pourquoi il est rouge? Ah, d'accord. D'accord. Le mec est invincible. Je vais pas m'énerver. On va pas s'énerver contre cet Olibrius. Moi, ce que je regrette, c'est qu'ils... Parce que, ok, ils ont repris l'esthétique, les animations et tout, mais le level design, il est quand même très très fade, quoi. Ils ont repris aussi le level design pas ouf. Donc, niveau plateforme et tout, vraiment, on se fait chier. C'est quand même pas folichon. Ils auraient pu rendre tout ça un peu plus attractif. Ils sont allés jusqu'au bout du machin, quoi. Wow. Le jeu Resident Evil 2 sur Games.com est à la fois du génie et à la fois la pire version du jeu. The pire version du jeu. La meilleure et la pire en même temps. Oh, ces petites musiques du cul. Je me fais défoncer et je vais mourir si vite que je vais avoir le seum. Ça, je le vois venir direct. Donnez-moi des bidules, là. Qu'est-ce que c'est, ça? Ouah! Ça chie littéralement des trucs. Ça chie les ennemis. Putain, putain de merde. Bah oui, mais c'est pareil, je parlais de Tomb Raider. Il y a un portage de Tomb Raider sur Nokia Engage. Mon frère l'avait. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que du coup, t'as un écran vertical. Donc tu joues à Tomb Raider en 3D. Version assez proche d'ailleurs de la version PlayStation. Mais tu joues sur un écran vertical. Donc vraiment, faut avoir envie de se faire chier. Faut avoir envie de s'emmerder. Le pire, c'est que mon frère l'a encore, sa Engage. Je pense qu'il l'a encore et elle fonctionne encore. Il avait 2-3 jeux. Et ça, c'est quand même merveilleux. Marvelous. Bon, par contre, des cœurs, c'est compliqué de grappiller des cœurs dans le jeu. Oh, la plateforme. On s'amuse. On sait s'amuser sur ce stream. Ah oui, mais en vrai, il y a des vrais jeux hein, sur les... Le problème, il y a des vrais jeux sur Engage. Le problème, c'est que t'as un écran vertical. Donc c'est vraiment de la merde. Et qu'ensuite, pour mettre un jeu, t'es obligé d'enlever la batterie. C'est vraiment la pire idée du monde. Et que les touches, c'est pareil, c'est bien de la merde. Donc à un moment donné... Ouais, il y a Elder Scrolls. Ouais, ça c'est fou. Il y a un vrai jeu Elder Scrolls qui fonctionne. Qui est un vrai jeu. Lui, par contre, ça doit être une vraie bizarrerie. Lui, ça doit être quelque chose. Une vraie curiosité. Attendez. Là, il y a un truc. J'ai vu. Putain, je suis obligé de passer par là. Je spam. Je spam tout. Toute la vie, je spam. Une bombe. Bim. Veux-tu prendre la tyrolienne? Ok. Oh, petite cinématique. Petite cutscene. Je sais que tu m'en avais parlé du Batman. Des merveilles. Beaucoup de merveilles. Oh putain. Direct. Je suis mort. Ah, il y a un truc là. Oh, le jeu. Oui, ils ont mis des petits indices. Ils ont quand même pas été trop pénibles.
Ils ont mis des indices pour qu'on comprenne, parce que sinon, bon, à un moment donné, ils veulent faire un jeu, quoi. Je pense que l'objectif, c'est aussi de rendre hommage à ces magnifiques jeux. Je sais pas s'ils avaient besoin d'un hommage. C'est ça la question. Est-ce qu'il y avait besoin d'un hommage à ces Zelda CDI de merde? Je ne sais pas. Mais en même temps, c'est rigolo. Donc là, apparemment, il y a quelque chose. Il y a un point d'intérêt. Bonjour, monsieur. I found some fairy Madame. Dust. Oh, terrifique. Thank you, dear Royal. Let's see. I call it the intelligent gun. Pourquoi il a un accent français? Shoot color magique, like your sword. It only hurts unfriendly creatures. Here, you can have it, mon princesse. Wow, thanks. Oh, qu'est-ce que c'est que cet accent? The gun's power basoules. Ah, cool. Anytime you see an enemy, look for its feu de l'âme. It's soul fire. Here's 50 souls to start with. Thanks. Thanks. Bonne chance, princesse. Now to my next invention. Bonne chance, princesse. Attends, elle m'a filé un gun, littéralement. Fusil intelligent. Elle m'a filé un pistolet. Tire des projectiles magiques et détruit les barrières. Ah, et ennemis rouges. En autant que tu as des munitions. Oula, il y a un problème de français. Tant que tu as des munitions, je pense. En haute... Google Trad, merci. Merci la traduction. Comment j'utilise le pistolet? C'est quoi la touche? Merde. Ah non! J'ai mis une bombe sur sa tête. Ah, c'est touche B. Où je vois les munitions? Ah oui, là. Je gaspille mes munitions. Tout va bien se passer. Ah, mais je peux monter là! Oh là là, il fallait le savoir. Je peux monter ici même. Ah, enfin, je peux casser les trucs. Merveilleux. May I? Of course. Of course. It's beautiful. A vast universe, but a world is a speck. Puts it all into perspective, huh? Your interest has made my day. As a gift, take some cosmic jewelry. Wow, ces animations. The stars. They're almost as bright as you, Odie. Ah. Boucle d'oreille étoilée. Bijou du cosmos. Quelqu'un avec des goûts distingués pourrait vouloir ceci. Quelqu'un avec des goûts distingués. Quelqu'un avec des goûts distingués. Ok, alors voilà. S'il y a des énigmes dans le jeu, je suis pas sorti. Hein. Il y a marqué quoi? Ah, il me dit, et il me donne les indices. Brinda au village de Faramor cherchait quelque chose comme cela. Brinda, je sais même pas qui est Brinda. 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 Aucune idée. J'ai aucune idée de qui c'est. Alors le problème, c'est que maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de trucs rouges, là, à casser, mais je sais plus où ils sont. C'est doublé par Marion Cotillard. Ah, poteau. Alors si la question est, est-ce que le jeu est gratuit? Non, le jeu est pas gratuit. Ou alors, est-ce que c'était une blague? C'était pour dire que c'était une méchante blague gratuitement envers Marion Cotillard. Alors que Marion Cotillard, elle a quand même joué avec les plus grands réalisateurs outre-Atlantique. C'est pas très gentil de se moquer. Eh ben, c'est pas très gentil, Yo-Yo. Elle a quand même joué avec des traits... Oh! J'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est? Oh! J'ai trouvé un truc. Je sais pas à quoi ça sert. Il y a la moitié des trucs dans le jeu, je sais pas à quoi ça sert. Aucune idée. Comment je repars de ce foutu? Ah! Essaye à nouveau. Attends. Est-ce qu'il y a moyen de se casser d'ici? Ah oui, oui. Il fallait que je tape là. Il fallait que je vienne ici. Ok. Donc je peux aller là. Et je peux aller là aussi. Déjà, il faut que je trouve Brinda, c'est ça? Il faut que je trouve Brinda. Il manque les ennemis points qui font tout l'écran et qui prennent 50 coups à mourir. Oui,
Non mais après je pense que le jeu il a pas non plus... Il a essayé d'être un peu gentil. C'est quoi ça? Feu d'âme? Ah oui, ça c'est des munitions, c'est ça? Ok, ça c'est des munitions. Très bien. Donc j'ai besoin d'acheter les munitions du pistolet. Donc il va pas falloir que je commence à gaspiller mes pistoles. Bonjour monsieur. Il m'aide pas du tout. Et lui? Il m'aide pas non plus. Il m'a saoulé. Brinda. Qui est Brinda? Il faut que j'essaie de faire marcher mon cervelet. Non, lui, il me répète tout le temps les mêmes trucs. Brinda, on a dit. Non, c'est pas lui. Brinda étant probablement une demoiselle. Ah, c'est elle, petite. Not easy, Univore. Did I surprise you? The good kind of surprise. Not like... Spoil. My only tip. Non, pas lui. En plus, les persos n'ont pas de nom. Comment tu fais pour savoir? Ah, c'était elle. Plus, les noms des persos s'affichent pas, donc vraiment, c'est... Un peu du pif. Le hasard. Ciao. Good. Ceci va recharger tes points de vie avec de l'eau de vitalité. Tu peux en acheter à la boutique. Ah, c'est un objet. Oh. Wow, mais je finis le jeu, ça y est. Look everyone, it's the princess. It's the princess. Non mais on a compris. On avait compris, c'est bon. Ah, ça me donne presque envie d'y jouer moi, ces Zelda, ces Lady Phillips de ses morts. Je pense que ça pourrait donner des streams de qualité. Ah oui, c'est là. Ah oui, mais comment je monte? Ah oui, c'est là. Je me souviens. Il faut faire poète. Là, il y avait quoi? Ah oui, là, il y a ça. Ah oui, là, il y a du bleu, je peux pas. Et quand je rentre ici, là, c'est verrouillé. Donc ça, je peux l'ouvrir. Oh, c'est magnifique. J'avance dans le jeu. Ça me fait penser aussi à Infernax. Le jeu, il y a un truc de Infernax aussi. Je pense qu'Infernax c'est probablement un meilleur jeu. Mais c'est la même idée. Oui, mais de toute façon, ils sont merdiques les trois. Les trois sont pas bien. Et je pense que Nintendo fait tout pour que on oublie ces jeux de merde. Prioritizing the romance section. Quiet, you miserable wretch! Ah, j'ai rien écouté, qu'est-ce qu'il m'a raconté? J'ai pas écouté, c'était quoi le projet? Bienvenue dans la bibliothèque. Nos volumes abordent toutes sortes de sujets. Our volumes cover all manner of subjects. Please help yourself. Do you have anything on Daimur? Quelque chose sur Daimur. Well, you would ask about that. No, and if I may be so bold, I'd say this mess could have been avoided if the book of si le livre d'eau tip top était gardé par un bibliothécaire qualifié. Like myself. Skills, like prioritizing the romance section. Quiet, you miserable wretch. Ok. Donc, il m'aide pas beaucoup. Vous m'aidez pas beaucoup. Bon, je pense que de toute façon, j'ai besoin d'un double saut dans le jeu. Ça, c'est pareil. À un moment donné, on va débloquer un double saut. Ça me semble être une évidence. Donc là, ça m'a pas aidé. Là, je peux pas l'avoir. Je vais acheter des trucs, là. Ça, comme ça. Isoké. C'est sûr qu'ils vont pas sponsor des remakes des trois jeux. Bah ça, c'est sûr. Mais c'est fou que ces jeux... En vrai, c'est vraiment dingue que ces jeux existent. Que ces Zelda existent.
C'est quand même assez fou, surtout que c'est quand même la saga Zelda, tous les jeux sont bien ou presque, et il y a ces petits jeux de merde qui existent, qui sont là dans un coin. C'est quand même dingue. Et en plus, ce qui est fou, c'est qu'il y en a quand même 3. Il y en a quand même 3 sur cette foutue console. C'est quand même beaucoup plus que sur certaines consoles Nintendo, c'est ça qui est fou. C'est ça qui est quand même merveilleux. En fait, la corde, elle sert à sortir des niveaux, Yo-Yo. La corde, elle sert quand je suis dans un niveau que j'ai besoin de sortir, j'utilise la corde. C'est à ça qu'elle sert. C'est un objet pour fuir, dirons-nous. Et j'ai pas mal avancé. Sur ce, je vais faire une petite pause parce que j'ai très très envie de faire pipi. Et peut-être qu'un jour, on jouera à Tomb Raider parce que je vais recevoir le code pour télécharger le jeu. Et ce sera bien. Sinon, je trouve que ce jeu est rigolo. En vrai, pour la blague, le jeu est rigolo. Est-ce que ça en fait un vrai bon jeu? Je suis pas convaincu. C'est ça aussi qui est un peu... Tu vois, on est loin d'un... Comment s'appelle ce jeu avec le petit chevalier et sa petite pelle? D'un Shovel Knight, tout ce genre de choses. Qui sont pas des remakes, mais qui sont des hommages à des jeux rétro. Ou Infernax, je trouve. Infernax, c'est très cool. C'est un vrai bon jeu, en plus, Infernax. Là, au-delà de la blague, je sais pas si ça vaut vraiment la peine, quoi. C'est un jeu sympathique, mais rigolo. Après, faut voir, hein. Peut-être que ça va se révéler être fou. Mais pas dingue. Pas folichon. Cela dit, c'est quand même bien rigolo. Ça coûte 20 balles sur Steam et sur console.